Bonsoir, messieurs Chaos. Petite mise en place, parce que tant que le jeu n'est pas en pleine fenêtre, il n'est pas dans le stream direct. Donc le temps de balancer le tweet. Et on démarre. Bonsoir, messieurs Chaos. Par contre, je vais me couper. Petite mise en place, parce que tant que le jeu. Voilà, ça. Et tout ça très bien. Alors, The Stanley Parable, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est un émulateur de PC dans un émulateur de... Dans un... Oh, bordel de merde, on m'aurait menti. The Stanley Parable, c'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment une expérience interactive, c'est le mélange des deux, tout simplement. C'est des gens qui se sont dit, tiens, ça serait marrant si on jouait au paradoxe du jeu qui est dans le jeu, dans le jeu. Et en fait, vous allez découvrir assez rapidement que le jeu est une suite de déroulements qu'on expérimente et qu'on est peut-être appelé à expérimenter plusieurs fois. Je ne vais pas vous spoiler le nombre exact de fins qu'il est possible d'avoir dans le jeu. Il y en a 19. Mais c'est assez marrant de justement recommencer cette espèce de boucle bizarre comme vous allez voir. Et d'essayer de jouer justement avec les éléments, parce qu'il y a toute une partie qui est basée sur la narration, qui est extrêmement bien faite. Vous allez entendre cette voix off, qui est absolument sublime, et qui va se permettre de commenter ou plus ou moins guider vos actions. Et tout repose là-dedans, cette espèce de jeu avec la narration, qui fait que ça va vous rappeler un certain film, pour les gens qui sont un petit peu cinéphiles. Et donc on va faire trois runs, on va pas faire 10 000 runs, on va faire trois runs. Le premier, je vais faire exactement ce que la narration me suggère. Le second, je vais jouer au petit con. Et puis le troisième, à la limite, s'il y a des gens connectés, ils pourront choisir ce qu'on fait comme action. Moi j'ai le chat à côté, donc je vous lis, il n'y a aucun souci. Allez, ben c'est parti, j'y vais. Option, je vais voir s'il m'a pas enregistré des trucs que je les reset. Bon. Allez. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in.
as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Donc, nous sommes dans des bureaux qui apparemment ne débordent pas d'activité. Et nous allons... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. D'accord. Donc j'avais prévenu, premier run, on est gentil, on fait ce qu'on nous dit. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Je me rappelais plus des tableaux. Le jeu est gavé de petites choses comme ça, absolument croustillantes. Je vous laisse, si vous voulez prendre le temps d'explorer le jeu vous-même, il y a des choses à voir assez marrantes. Je me sens super motivé. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Je suis un bon Stanley. Oh oui, oh ouais. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Oh, je suis abasourdi. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ah non, va falloir que je le trouve. Donc, il est où ce digicode déjà? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless. Donc il y a un fail en direct. Alors attends. Je récapipette. Since he could never possibly know that the combination was 2845. Alors là, je comprends pas d'où est le fail. C'est ça qui est dramatique. 2844.
Let's go into the capture setup. Bon, faut bien que je fasse des fails quand même, sinon ça manquerait de piquant. Alors, babli, bab bleu. Oh bordel, j'ai touché une touche, il fallait super pas. Donc ça, tu ne touches plus, c'est mal. Ajouter capture de jeu. Yipikaï. Five. Non, là c'est dramatique. C'est dramatique, nous n'avons toujours pas l'image, Guy. Oui, non, mais la voix du narrateur, elle est vraiment super bien. Mais il faut voir avec la connerie des actions, parce que c'est quand même assez génial pour ça. Donc OCB, t'as pas la bonne source, qu'est-ce qui t'arrive? T'as deux captures de jeu déjà, c'est pas normal. Donc il y en a une qui dégage. Buzzball. Je vais dégager l'autre parce qu'apparemment elle ne passe pas. Et on va recréer une. Capture de jeu. Ah, capture d'écran. Je sens qu'il faut que je bascule en capture d'écran. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon intuition qui me le souffle. Avec un prénom qui commence par un K. Yippee-ki-yay. Capture d'écran. Ouais, t'es sur le bon coco. C'est formidable. Yata. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Est-ce que ça marche l'image? Parce que moi, sur ce que je vois, ça clignote. Donc, c'est peut-être pas top top. Oui, puis le stream, oui, c'est bien ça. Ça fait un écran qui clignote, on est d'accord. Caca. Alors, pourquoi capture d'écran, les options. Et compatibilité multi-adaptateur. C'est pas terrible, terrible. Sinon, à la limite, je fous le jeu en fenêtre. Hein. Je vais essayer de foutre le jeu en fenêtre pour voir. Bon, c'était presque bien parti. Hein. Alors, escape dans le jeu, option, vidéo. Ah, mais en plus, le Lascar, il a même pas la résolution qu'il y a sur l'écran. Fantastique, mode d'affichage plein écran. Dans une fenêtre. Bah, ça fera rétro, hein, c'est pas grave. Ok. Zbim. Et un début d'idée. C'est génial. Bon, on va faire comme ça dans un premier temps. Moi, ça m'arrange. J'essaierai de comprendre avec le cerveau plus tard. Parce que là, on perd du temps sur le stream. Et ça serait dommage de rester là jusqu'à 2h du matin pour rien. Bon, le mode fenêtrerie, il fait pas mieux que ça. C'est vraiment minable. Bon, ça va être stylé, mais c'est pas grave. Recommençons à nouveau. Puis là, moi, je peux vérifier que ça stream.
Je regarde le direct, vu qu'il n'y a 15 secondes de décalage. Capture la fenêtre plutôt que l'écran, me souffle le monsieur. Mais le monsieur a tout à fait raison. Mais enfin. Allons capturer la fenêtre au galop. Cette coupure d'image est tout à fait volontaire, ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Captura de fenestra. Non, ça ne m'arrange pas ça. Ok. Et non, ça non, non, non. Là, tu as fausse. Tu as faute. Ah, là, tu as bon là. Là, tu as tout bon. Tu ne touches plus rien. Classe de la fenêtre. Rien à foutre. Allez, hop. Eh bien, je pense qu'après ces déboires vidéoludiques, on va dire, vous avez enfin droit à un jeu affiché correctement. Oui! Il y a bien 12 secondes de décalage avec le stream. Mais du coup, je peux vérifier, c'est pratique. Je vais vérifier que ça bouge quand même, ça m'inquiète. Hop. Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe Oh, well. the genius at work. C'est reparti. Donc je rappelle, bureau désert, patati patata. Je suis abandonné dans ces bureaux, je suis malheureux, je suis la tristesse incarnée d'un Stanley decided to fonctionnaire. go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly Et donc needed on retourne dans cette salle de réunion à fond la support caisse, avec l'option courir qui n'est pas là was d'ailleurs. terrifying to him. Mon Dieu, je tape dans les murs. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ta gueule, le chat, comme dirait Cartman. La salle de réunion, donc on en était là. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Donc la salle de réunion, je répète pas tout, mais faites-vous les messages et matez la projection de diapo qui est assez fandard. Il y a de quoi faire quoi. C'est une bonne perte de temps, mais oui, c'est une très bonne avec un B majuscule. Donc voilà, on enchaîne, on va à où j'avais arrêté. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Et Stanley s'exécute. Donc je vous avais dit, premier round, on fait ce qu'on nous dit, hein. Soyons sympas. Hop. Nous n'allons pas dans les bathrooms du boss, mais dans son bureau. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not Oh, an toujours pas des indication signes de of any vie, je human suis life. abasourdi. What could it mean? Stanley Mais qu'est-ce que wondered ça peut bien aloud dire? to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his Je peux me situation. mettre à genoux et But his crier attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? Aucune In idée. fact, This keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Eh non. Alors comment je vais faire? Oui, je sais. Ok, donc 4264. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code ouais. by sheer luck. C'est un coup de bol. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Mais quel est donc ce mystère mystérieux? On suit les flèches. On dit qu'on était quand même vachement sympa pour. Ce premier. Donc ça, dans un vrai jeu vidéo, normalement, c'est pour charger le niveau suivant.
Et on est bien dans un vrai jeu vidéo, c'est la classe. L'ascenseur, quand même, c'est récurrent. Ascending deeper into the building, Dans toute Stanley l'histoire du jeu vidéo, realized il y he aurait une felt a toute bit thèse à faire peculiar. dessus. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Eh Why oui. did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This Oh. question would not go unanswered for long. Non. Sacrée ambiance dans les bureaux, dit-on. Alors. Là, en général, on se balade tout le temps avec un énorme gun. Mais, admettons, la marmotte. De toute façon, je suis avec une cravate et un attaché-caisse. Je peux faire des dégâts, Stanley surtout si je walked connais la straight ahead through the réglementation. large door that read Mind Control Facility. Je suis un bon Stanley. Il n'y a pas de trou. Et la voix. La voix, tu me dis quelque chose? Moi je touche pas ce bouton, il a l'air trop bizarre. Non mais je ne suis qu'un humain, puis je m'appelle Stanley de toute façon. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Plus de sortie. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Le mien, il y a une case avec un qui est marqué Fired. Il est où? Ouais. N'importe quoi. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it Comment even tu vas possible? voter Macron, quoi? Had he truly spent his Quelqu'un avait dit entire pas de life politique dans les streams, mais il utterly avait tout à fait raison. blind to the world? C'est pas très lumineux chez vous, les gars. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. C'est tout le boulot for d'un he would dismantle the controls once and for all. Ouais. Parce que c'est pas parce que j'ai une cravate que je peux pas être méchant. Regarde, ce casier, est-ce qu'il est réglementaire? Si je me réfère au paragraphe. Bon, allez, on y va. Mais j'aurais pu. Alors là, il va me falloir les compétences d'un programmeur, parce qu'il va falloir rentrer des lignes de code. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty. His obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Voilà. Hein? On est bien d'accord. Et ben voilà. C'était bien. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over?
He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was, perhaps, the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Elle est pas belle, la vie? Alors là, on a fait le run qu'on fait la première fois qu'on arrive dans le truc. Puis on fait, c'est quoi ce jeu de merde? Ce qui est pas entièrement faux, puisque c'est pas vraiment un jeu, je le rappelle quand même. Et du coup, on se trouve, bah, là où on était. Et apparemment, on nous propose toujours pas grand-chose d'autre. Donc, Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Là, il connaît le gars, du coup. Donc, en fait, on va s'amuser avec la narration, maintenant. Et du coup, bah, je vais faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, moi. Hein, plutôt que d'écouter un blaireau qui raconte ses trucs. Et qui m'a mené en bateau pour avoir une fin, là, avec Calimero. Bisounours, même, Dixit, le chat. Non, si on peut pas aller là-bas, tiens, par exemple. Mais c'est tous les trucs. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Donc là, on sent quand même que la relation avec la narration commence à se construire sur une opposition. Genre, lui, il sait très bien ce que moi je vais faire. Moi, je sais pas ce qu'il m'a scripté derrière. Mais je vais tout faire pour lui foutre ma merde. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. L'autre là. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Je suis tenace. Je les essayerai toutes. Ok. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Non. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Non plus. Non, monsieur. Voilà, c'est tout. C'est comme les Indiens inversés, c'est le même principe. Oh, j'ai dû rater une porte, mais je sais plus où. Je vais y avoir un code. 28-45. Oui, mais on a le droit. Les petits moments d'égarement d'entreprise, ça arrive, tellement le boulot peut être chiant des fois. Donc, il faut pas m'en vouloir. Close out. Cartas magneticas, j'y passe, monsieur, madame. Alors là, je vous spoil pas, mais je préviens quand même. Niveau alternance de chemin, vous avez pas mal de possibilités si vous avez envie de vous amuser. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Je lui fais un truc de someone you've forgotten about.
What? Really? What? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Exactement. Well, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Ouais. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. De toute façon, ça s'est refermé. Alors... C'est cette partie-là, quand même, qui est assez agréable dans le jeu. C'est que des moments où vous vous marrez bien, justement, avec cette narration qui est quand même bien foutue sur le... Sur certains moments, on... c'est vraiment très très drôle. C'est ce qui fait que le cet amusement est intéressant. Now listen carefully, this is important. Ouais. Stanley walked through the red door. Bon, je vais attendre un vote du chat. Rouge ou bleu? Le premier qui écrit blouge, je le tue. Le second qui écrit re, c'est encore pire. Bon, on a bien 12-15 secondes. Ok. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. C'est pas ma faute, hein, c'est lui qui m'a remis là. Donc je crois qu'on a peut-être pas trop le choix, mais on peut retenter la bleue. Mais vu qu'il y a 15 secondes d'attente, je la retente tout de suite. Hop. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Le code 2845. Ah, la porte rouge! J'adore faire le poisson bleu de Nemo. Oh, thank God, you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. Y'a rien qui vous semble bizarre. Ok. Yeah. Oh, je continue. Attendez, si les gens trouvent tout ça normal. Ah. Ah. Attends, je vais voir la prochaine. Non, ouais. Alors. Oui, effectivement, il y a de quoi devenir fou si on est très très sensible. Mais moi, je pars du principe que tous les gens qui sont sur Internet sont fous, donc il n'y a aucun problème. Ce jeu est fait pour tout le monde. Par contre, c'est tout noir. Hein. Vous voulez que j'aille voir la prochaine? Moi, je pense qu'elle va être toute noire aussi. Mais... Voilà. Mais ben, je pense qu'elle sera mieux noire, celle-là, en fait. Hein, on est bien d'accord, c'est pas du tout mieux noire. Quoi que, attends, je vais comparer quand même. Ouais, c'est noir clair, là, quand même. Bon, on y va. Oups. Do we want? What are we looking for? Je vois rien. Je vois super rien. Ah putain, ça tombe bien parce que c'est là que je voulais vous emmener. Et je me rappelais plus du tout comment on y va. Je pense qu'il va falloir mettre le cerveau sur off maintenant. Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here. Right in this moment, with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. C'est bien. Ça va mieux alors? Ah ben voilà, ça s'arrange. Et voilà. Moi, je sais pas quoi dire comme commentaire dans ce genre de situation. Parce que ça, dans un Zelda, il n'y a pas trop. Mais bon, c'est remplacé par d'autres choses, je vous rassure. La mécanique de jeu reste la même. Parce qu'en fait, le principe, c'est de s'amuser avec les mécaniques de jeu. C'est ce qu'on fait les deux. Est-ce qu'on reste là, il se passe quelque chose? Je ne me rappelle plus. Il me semble pas qu'il y ait des trucs intéressants. On peut rester une éternité là à faire des trucs. À faire rien, en fait, et voilà. Zoup.
Oh. No, wait. Where are you going? Bah, je sais pas, moi je bouge. Qu'est-ce qu'il croit? Oh no! Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Donc là, on rentre dans le système de la contre-suggestion. Parce qu'il a pigé quand même que j'ai foutu la merde pendant tout le run. Donc faudrait surtout pas que je meure d'après lui. Et du coup, faudrait que je meure. Donc je vais pas mourir. Vous suivez? Je suis retourné dans la pièce, ça vous redonnera des idées, ces petits trucs psychédéliques. Hop, hop, hop. La, 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 la. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. C'est exactement ce qu'on va faire. Un stream jusqu'à 4h du matin avec ces visions. Je peux faire une petite rotation lente à la Google Earth si vous voulez. Oh, la belle bleue. Il n'y a pas de bleu. Bon, on retourne aux escaliers quand même, parce que 4h du matin, il y en a qui bossent, tout ça. No, what do we talk about? You're risking everything we achieved here. C'est l'amour du risque. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Je sais pas. C'est une impulsion comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un me guide en mettant des doigts sur des touches de clavier. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. C'est haut en plus, je vais me rompre le cou. Il n'y a même pas de barrière de sécurité à la fin. Ah, allez, c'était une blague. Non, c'était pas une blague. Please, Stanley, think about what you're doing. C'est bien ce que je réfléchis. Ça y est, on a bien réfléchi. Oh, thank God. You had me worried there for a moment. Okay. Now, can we please get back to the other room? Ça a pas l'air de s'arranger là. There. See? This is what you want. Je peux tomber? This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Bon, j'ai le droit de parler, c'est quand même ce qui est intéressant. J'espère qu'il va pas me faire le gag de faire durer plus de 30 secondes le fait de pas bouger. Parce que ça va être long, sinon. Et j'aurai pas la patience. Bon. Sur les bons conseils de la voix off, nous allons continuer de pas faire ce qu'elle nous suggère, parce que ça va pas du tout, ça. Stanley, oui. Go back. There's nothing good that can come from this. Je sais pas. Faudrait que j'aurais essayé de me tuer quand même. No, no, what are you do? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Oh, je sais pas que... Des suggestions, chat? Non. Suicide numéro 2, je vais le faire à l'envers, ce sera mieux. Ah. Oh, Stanley. Let's go back to the other room. Can you do that for me? Non, non, c'est pas possible, moi j'en ai marre. Je veux mourir. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be oui. Rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? J'ai oublié que la narration est excellente. De côté, j'ai pas fait. Wouhou! Maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Rien de faisable ici. Je me rappelle pas s'il y avait d'autres choses faisables. C'est tout. Bon. J'espère qu'il va pas me faire sauter quand même plus de 5 fois. Is it over? Ah. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Donc voilà The Stanley Parable ce que c'est. C'est à partir du deuxième run qu'on commence à comprendre.
Et en fait, le côté ludique, effectivement, c'est de jouer avec cette narration. Alors, vu qu'il y a 15 secondes de décalage, quand même, voire même plus, avec le chat, je sais pas, ça vaut trop le coup de se faire une session où c'est sur le chat que les actions se décident, parce que ça va vraiment faire long, quoi. 15 secondes, le temps que ça s'affiche chez vous, 15 secondes, le temps que j'ai la réponse, ça en fait quand même 30. C'est pas super rentable. Je pense que je vais faire comme le run précédent. Je vais, quand il y aura des gros choix à faire, je ferai une pause et puis on regardera. Ce sera peut-être plus simple et moins perdre de temps. All of his co-workers were gone. What could it mean? Qu'est-ce que ça Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Non, j'ai pas reçu la note de service. Je vais être sympa cette fois. Je vais m'enfuir juste avant d'aller dans le truc du boss ou un truc dans le genre. On va dire ça. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yes, it's me. Une petite diabolo rigolote, pas ça? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ils sont vraiment bien. Hop, 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 hop. Oh, j'ai raté les portes. C'est tard. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Je sais pas. Une bagnole. Mais allez, on va voir la voiture. Sinon, je peux monter au bureau. Au choix. Ça me laisse le temps de m'intoxiquer électroniquement. Oui. Le réglage est bon. Et je demandais juste si les. On va au garage ou on va au bureau du boss à l'étage, en fait. C'était la bonne question. Parce que moi, c'était pour ça que j'attendais là. Donc là, il y a une salle avec une bagnole, apparemment. Et sinon, tout en haut où je peux aller, c'est le bureau du boss. Au choix. Ah oui, il y a large 15 secondes de décalage avec le stream. Allez, il y a joué d'adamant. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. Bah ouais, faut laisser les autres voter, c'est dégueulasse que tu maybe, fais le chaos. He thought to himself, maybe I am crazy. Rajoute-toi un achievement, 100%. Blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? Mais comment il sait and ça? For that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they non, simply pas repeating? Du tout. Des patterns dans les jeux vidéo, jamais this is all too strange. This can't be real. Toi, tu vas avoir des at gros last, problèmes. He came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Youhou! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt. To have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. Oh, les cœurs, c'est le jour de la marmotte, les gars. He wasn't crazy after all. Non. He thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real life voilà. Job. Non, mais je vais faire un truc, I may as well enjoy this while I'm still lucid. Attends.
Ah là là. Il va me faire planter le programme. Oh putain. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had stumbled woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. Donc les gens qui voient des trucs bizarres, c'est qu'ils avaient pris des trucs bizarres assumés, ça n'est pas le stream. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he was certain beyond a doubt that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to herself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Est-ce que je vous fais encore un run? Bon, vu que t'es tout seul, Chaos, je te vous vois du coup. Il y a un chemin, faut que je m'en rappelle. C'est juste avant le la grande salle avec les ordinateurs. Faut tourner à gauche là où c'est marqué Escape sur un panneau. Et il y a un autre truc assez marrant. Alors, je me rappelle plus exactement tout. Enfin voilà le principe de The Stanley Parable. C'est vraiment des gens qui sont amusés avec des tout ce qui est les archétypes de programmation qu'on retrouve dans les jeux pour en faire une sorte de jeu qui n'en est pas vraiment, mais qui est
bien marron, il n'y a pas d'énigme vraiment pour avancer, rien, on fait qu'explorer. Mais ça rapporte un peu de fraîcheur quand même au milieu de tous ces FPS habillés autour des mêmes mécaniques, ces point and click habillés autour des mêmes mécaniques, ces MMO habillés autour des mêmes mécaniques. Je crois que le jeu vidéo va rentrer dans une crise où c'est bien beau de faire des mécaniques de jeu, mais peut-être qu'il serait temps d'évoluer et de passer à des mécaniques d'une nouvelle génération qui seraient des choses qui s'adaptent réellement aux joueurs. Moi, je sais pas, il y a des shmups par exemple qui ont été faits où en fait les devs, hormis la partie pattern et boulettes générées géométriquement, ils ont quand même pris le temps de développer un truc qui fait que le jeu apprend selon le skill du joueur. C'est quelque chose qui fait quand même énormément la différence et c'est très très agréable quand la difficulté d'un jeu s'adapte à vous. Je parle. Et leur passe. Et donc on va faire encore un run. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Voilà, c'est même pas la bonne heure de chez nous. Bon, un dernier run, mais vous avez pigé l'idée maintenant. On le fait juste aller comme un dessert. A soft wind blew outside and perhaps rain started. And if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Je découvre encore. Il y en a dont je me rappelle plus, mais je découvre encore des conneries au fur et à mesure du jeu, je crois. Donc oui, il y a au moins 19 points différents possibles. Pour arriver au jeu qu'on a, il faut qu'on aille là, je crois. Je vous le fais vaguement de tête. Bah, le parcours n'est pas super compliqué, vu qu'on le fait pour les gens qui font plein de fois. Mais il n'y a pas une seule personne ici, non plus. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might come into a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, j'enchaîne, les gars, faut que t'accélères. 28-45. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Bon, on peut y aller là. Allez. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Moyennement calmement. Vous n'avez pas raconté une anecdote à la Higgins sur les temps de chargement dans les jeux vidéo et les ascenseurs? Ou c'est un déjà vu? Je regarderai sur le replay. Allez-y. Ouais, c'est bon chemin. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Donc, bye bye, la Mind Control Facility Room. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Je fais pas les bons dans les jeux vidéo, je les fais pas bien. Surtout qu'on peut pas sauter dans celui-là. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Oui, mais Stanley là c'est fini. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. C'est à peu près ça. À part qu'il faut faire ça bien. Et quelqu'un? Je maîtrise. Je maîtrise. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Je maîtrise. Les gens ne croient jamais.
As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this blind tale to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Voilà. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Bon, on n'arrive même pas à mourir convenablement. Je suis désolé. Ah, je suis bloqué par des cartons. Une récurrence de certaines choses dans les jeux vidéo. Ah. Dis-moi. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Je m'en rappelle plus de ça. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless. Enfin, je sais pas, Chaos, t'as pas l'intention de récupérer ce jeu-là? Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? S'il vaut moins de 5 euros, ça vaut le coup, c'est rigolo. Mais bon, là, il y a toute une partie et c'est sympa quand même d'en laisser pour les gens. Donc voilà, je crois que je vais arrêter ce stream The Stanley Parable parce que j'avais envie de partager ça. Ouais, c'est vrai, il y a un côté Matrix, je pourrais faire des triple loops, mais il n'y a pas de sabre contre les murs, c'est dommage. Ouais, moi je tenais à partager ce jeu parce qu'il est marrant. Il sort un petit peu des sentiers battus. Ça restera dans les choses anecdotiques. C'est pas un jeu qu'on va proprement parler. Mais c'est un petit instant fraîcheur entre 3 grinds et 2 frags. Donc, voilà. Eh ben, je vous donne rendez-vous pour un autre stream sur je sais absolument pas quoi. Et je pense que ce sera vachement bien. Je crois que j'ai parfaitement résumé. La bonne soirée, tout le monde.